Dog Brain. Mais qui es-tu? Je m'appelle Twist. C'est une slug transformante? Oui. Loki, aveugle-le! Tu es des nôtres. Tu nous l'as prouvé aujourd'hui. Tu fais partie de notre bande, de notre famille. Qu'est-ce qui te fait croire que ça va marcher? Ils ont confiance en moi. Vous savez, certaines personnes pensent qu'on a perdu un peu du charme rustique des grandes cavernes avec le Slug Terra Express. Personnellement, je suis du même avis que Black. Je crois que ce qui manque à ces régions, c'est un peu de civilisation. Oh, serveur, vous seriez gentil de nous apporter de ces délicieux petits fours, je vous prie. Oui, monsieur, je vous apporte des petits fours, tout de suite. Je ne sais pas ce qui me dérange le plus, l'attitude des passagers ou ce déguisement. Oh, arrête de te plaindre. C'était ton plan, tu te souviens? J'ai la carte magnétique. Alors, allons-y. Est-ce que tout le monde me reçoit? 5 sur 5 et prêt à l'action. En position. On est prêt à y aller, Ellie. Très bien. Dans ce cas, on va pouvoir s'emparer de ce train. Voilà ce que nous savons. Demain soir, le professeur Black fait livrer une cargaison d'eau sombre dans un dépôt sécurisé. Ce ne sera pas une cible facile. Black ne prend aucun risque. Il y aura des gardes armés, un train privé, que sais-je encore. On s'en est pris à Black il y a moins de 2 jours. Il devrait passer ses troupes en revue. Twist? Rien n'est moins sûr. À mon avis, Black va augmenter sa force de frappe. Vous avez détruit sa réserve en prenant les terres brûlées, mais il lui en reste d'autres. La source de Twist dit que les eaux sombres vont être transférées de la forteresse de Black vers un dépôt dans les grandes cavernes. Je le comprends. J'aimerais pas vivre au-dessus de ce truc-là. Maintenant, à nous de jouer. Si jamais on réussit, le professeur Black ne pourra plus jamais transformer les slugs en ghouls. Génial! Cord? Cord? Hein? T'as entendu? Oh, je suis désolé. Quoi? Le briefing de la mission. Désolé, je pense encore au dépôt de ghouls qu'on a cambriolé. Il y a vraiment un truc qui me chiffonne. J'ai fermé la grille de sécurité. Après, Twist est entré et Diablos a surgi derrière nous. Mais comment est-ce qu'il a su qu'on était là, hein? Laisse tomber, Cord. Ellie a besoin de toi. Oui, tu as raison. Je suis désolé. Vous pouvez compter sur moi. La chance. Merci. Appuie à fond sur le champignon. On a un horaire à respecter, espèce de... troll des cavernes. Allez, pas de chichi. Appelle-moi Cord, d'accord? Twist, largue le superflu. Eh bien, je crois que je vais demander à être remboursé. Autant te le dire, je trouve ça vraiment très risqué, Ellie. Même pour nous. C'est toi qui nous as donné l'info, Twist. Qu'est-ce que t'en dis? S'il n'y avait que moi, je ne tenterai jamais un coup aussi dangereux. Mais si Ellie pense qu'on va réussir à mettre des bâtons dans les roues du professeur Black, je suis avec lui à 100%. Bien, ça, c'est notre cible, à 6 km de la cargaison. Un train express transportant quelques-uns des hommes les plus riches de Slug Terra. Je ne comprends pas. En quoi le fait de voler un train va-t-il nous aider à voler un autre train? C'est une petite ruse pour faire diversion. Ah, ne tire pas! Petite erreur de tir. Eh bien, oui, on va certainement les duper. Chouette. Alors, reprenons notre plan. Oh, vous tombez bien, les gars. J'arrive pas à faire démarrer cette maudite machine. Essayez maintenant. Ah, ça doit venir de la transmission. J'ai peut-être une pièce pour vous dépanner. Oh non, d'un petit bonhomme. Vous n'allez pas me croire, mais je m'étais juste trompé de manette. Ah,
Parfait, Trixie. J'ai gagné 10 minutes. Je me dirige vers vous maintenant. Il était temps. Vous devriez être déjà là depuis 10 minutes. Oui, désolé pour le retard. On a eu un petit souci avec le train. Vous voulez que les mécanos jettent un œil? Non, c'est réglé. C'était le truc, là, dans le moteur. Mais c'est réparé. Bon, salut! Qu'est-ce que vous voulez? Désolé d'être en retard. Un vieux bonhomme était tombé en panne sur la voie. Où est la cargaison? On ferait bien d'accélérer le mouvement. Black veut que ce chargement arrive à l'heure au dépôt. Je crains que ce train ait un peu de retard. Il n'avait pas de billet. Content de te retrouver, Trixie. Merci. Ils doivent avoir découvert qu'on a échangé les machines. Il faut se dépêcher. Mets les gaz, Cord. Maintenant, c'est à Pronto de jouer. Tout d'abord, je tiens à vous dire que c'est un grand honneur pour moi d'avoir le rôle clé pour mener ce plan à la réussite. Parfait. Si on voyait tout ça en détail. Tant que je reste la taupe clé de ce plan. Là, tu pousses un peu. Je pousse vers l'avant comme une une taupe clé. On devrait peut-être commander les t-shirts pour les taupes clés. Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler ici. Le patron voulait avoir des nouvelles, c'est tout. Tu lui as promis certaines choses. Je contrôle la situation. Ne me contacte plus. Il dit qu'il contrôle la situation, patron. J'espère pour lui, s'il veut rester en vie. Les voilà! On fait comme on a dit, ça va bien se passer! Hé, Patouche! Si tu appuies sur le frein de secours, on est perdu! Il se rapproche, Ellie! Accélère encore! Il faut qu'on arrive à les distancer! Ils ne pourront pas nous rattraper. On va y arriver. À toi, Pronto. Taupe clé à équipe Pronto. L'opération Taupe clé est un succès. Génial. Sans toi, on n'y serait pas arrivé, Twist. Moi? C'était ton plan. Mon plan n'était qu'une petite partie. Tout le monde s'est impliqué. C'est ça, une vraie famille. On arrête tout! Pourquoi? Oui, bon, je sais que c'est un peu mièvre, mais c'est... Non! Stop! On va s'écraser! Les freins! Ils ne répondent plus! T'avais dit qu'on avait assez de place pour stopper cet engin! Mais on n'avait pas prévu d'aller aussi vite! Otto va vous sauver! Allez, vas-y, bonhomme, ralentis-nous! Pronto vous a sauvé la vie. Génial. Allez, Cord, toi aussi tu devrais sauter de joie. Oui, je sais. Mais je repense à ce dépôt. Comment Diablos a pu savoir qu'on était là? D'un seul coup, on l'a vu surgir de nulle part. C'est bizarre, non? Écoute, Cord, on vient de réussir le plus beau coup de tous les temps. Il faut que tu apprennes à ne pas t'inquiéter pour des petites choses. Je suis ingénieur, moi. Et les petites choses, c'est justement ce qui m'intéresse. Eh bien, on ne peut pas dire que c'est une petite chose. J'arrive pas à le croire, les amis. Toute la réserve de Black. Oh, je voudrais voir la tête du professeur Black. Il va, à tout jamais, maudire le nom de Pronto. Oh, eh bien, le vôtre aussi. Mais surtout, Pronto. On peut laisser ça là quelques jours. Pour l'instant, je propose qu'on parte et qu'on trouve un endroit où se cacher.
Tu ne veux pas qu'on reste ici? Il vaut mieux ne pas traîner dans les parages. On reviendra quand le danger sera écarté. Le professeur Black vous envoie ses salutations. Toute cette histoire est un coup monté. On s'est fait avoir. On sauve notre peau d'abord, on en reparlera ensuite. Allez, montrez-vous, les enfants. Je vous promets à tous une fin des plus rapides. Proto ne veut pas d'une fin des plus rapides. Proto préfère que sa fin soit lente et graduelle. On est des cibles faciles. Prends Twist et trouvez-vous un point à hauteur. Nous, on vous couvre. On va les surprendre en menant une attaque frontale. Je protège tes arrières. Maintenant! C'est ici que mon père venait se réfugier. Ellie, on n'a vraiment pas le temps. Il te manque beaucoup. Twist, il n'y a rien de plus important qu'une famille. Je suis concentré. Il faut contacter Ellie et vite. Écoute-moi. Au dépôt de Ghoul, il y avait un truc qui clochait. En fait, c'était Loki. Sur la vidéo, Loki aurait dû apparaître sous la forme d'une slug normale, pas d'une Ghoul. Ces illusions ne fonctionnent que sur les vivants, pas sur les caméras. Sauf si c'est vraiment une Ghoul qui a changé d'apparence pour nous piéger. C'est pour ça qu'une slug comme Loki peut prendre les formes les plus monstrueuses. Et c'est pour ça qu'il évitait d'approcher Doc. Doc a besoin de beaucoup d'énergie pour guérir les ghouls, mais il a tout de suite senti que Loki en était une. Mais ça signifie que... Ellie, ici Trixie, il faut que tu sortes de là tout de suite. C'est Twist. Ellie, tu m'entends? Twist travaille pour Black. C'est vrai, Twist? Je suppose que ça veut dire oui. Tu peux m'expliquer pourquoi? Je ne suis pas sûr d'en avoir envie. Vous, les Shane, vous êtes tellement prévisibles. Tu n'as pas résisté à l'envie de voler l'eau sombre de Black et de l'abandonner ici. Et maintenant, c'est toi qui vas subir le même sort. Jette ton blaster. Et retourne-toi que je vois ton visage. Loki est une ghoul? Je ne suis pas le seul à t'avoir manipulé. Je reconnais que tu es très fort, Twist. Même tes autres slugs ont été bluffés. Tu te doutes qu'elles ne te suivront plus maintenant. Qu'est-ce que ça peut bien me faire? J'ai toutes les ghouls que je veux. Il faut trouver un moyen d'entrer dans ces tunnels. Je pourrais peut-être leur parler. Après tout, Pronto est un négociateur de talent. La diplomatie a échoué! Un Shane sans son blaster. C'est triste à voir. Oui. Eh bien, il me reste mes slugs. Oh, tu devrais quand même me connaître un peu mieux maintenant, Ellie. T'as aucune chance au corps à corps. Diablo, c'est notre problème numéro un. Débarrassons-nous de lui et on pourra rejoindre Ellie. Oui, je suis d'accord. Ce qu'il nous faut, c'est un plan. Un plan rusé, malin, astucieux. On va lui rentrer dedans. Lui rentrer dedans, mais c'est pas un plan.
Comment tu peux faire ça, Twist? Tu faisais partie de ma famille. Ta famille? Comme si un chêne comprenait ce mot-là. Qu'est-ce que tu entends par là? Ton père, Will Shane, a fait de moi un orphelin. Ce n'était que quelques slugs. On ne faisait de mal à personne. Il aurait pu nous laisser tranquille. Mais il se prenait pour un héros. Comme toi. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Quand je parlais d'erreur de tir. On n'arrivera jamais à le neutraliser. Il ne faut jamais dire jamais. On va lui lancer la super extra bombe topoïde. Mais je croyais que c'était une légende. Non, plus maintenant. Attention à trois. Un, deux, trois. Très bien. Que personne ne s'inquiète pour Pronto. Je comprends ce que tu ressens, Twist. J'ai perdu mon père, moi aussi. Tu ne peux pas savoir ce que je ressens. Tu cherches seulement à te venger? Tu veux finir comme Black? Je suis un survivant, Lily. Je sais depuis le début que le jeu est truqué. Alors je tiens à m'assurer que je suis dans l'équipe gagnante. Et de mon point de vue, c'est Black qui est le plus fort. C'est une question de pouvoir, Ellie. Et ton père et Black l'ont parfaitement compris. Sois réaliste. Tu ne sais même pas lequel de nous viser. Et qui a dit que je devais choisir? Où est-ce qu'il est passé? Laisse tomber, Cord. Je crois qu'il est parti. Quelque chose me dit que ce n'est sûrement pas la dernière fois qu'on le voit. Rentrons à la maison. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de manger ce soir? Oh, je sais, un ragoût de muqueuse de triton. Non? Des rats de scarabée à la vapeur? Non, on se fera livrer quelque chose. Le dîner est servi. Ellie, ça va comme tu veux. Ça ne te ressemble pas de bouder un aussi bon repas. Surtout quand il n'y a pas que des insectes à manger. Ce qui n'est pas vraiment dans les habitudes de Pronto. Oh, ça va. Seulement, je trouve que ce n'est plus pareil maintenant. Ellie, il a essayé de nous tuer. Je confirme. Pronto n'a pas beaucoup de règles, mais si on tente de le tuer, il estime qu'il y a quand même des limites. C'est une telle grossièreté. Je ne peux qu'approuver. Cela étant, ce n'est pas une raison pour te mettre dans cet état. On est tous tombés dans le piège. C'est possible. Mais Twist n'est pas si mauvais que ça. Il doit comprendre qu'il n'est pas seul ici. J'espère qu'on pourra l'aider à en prendre conscience avant qu'il soit trop tard. Vous m'avez coûté une fortune en temps et en argent. Et vous vous présentez à moi les mains vides. La bande s'est échappée et le fils de Wilshane a disparu dans la nature. Je les ai emmenés à la caverne. Comme je vous l'avais promis. Dis-toi bien que je n'ai que faire de tes excuses, mon garçon. Ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Et toi, as-tu quelque chose à dire pour ta défense? Non. Dans ce cas, tu ne me décevras plus. Retourne d'où tu viens. N'oubliez pas votre promesse.
On se reverra, Black. Quant à toi, je te félicite. Tu auras bien d'autres occasions de te venger, Twist. Tu as réagi comme je l'espérais, vu les circonstances. J'ai désormais une source d'informations sur Eli Shin et sa bande. Pour ne pas dire, un nouvel apprenti. Oh, et Twist, tu as vu le sort que je réserve à ceux qui me déçoivent. Pour ton bien, ne commets plus d'erreurs. Bientôt sur vos écrans, le film événement de l'année, l'attaque de la slug de 50 pieds. Rejoindre les autres quand on sort du Snack Shack, c'est plus difficile que je le pensais. Encore heureux que j'ai de quoi me sustenter. Je n'arrive pas à me concentrer sans popcorn. Mais tu plaisantes, Cord. C'est un endroit formidable. Je suis d'accord. Écrans géants sont excellents. La caverne des neiges est géniale. Même avec les ogres des glaces. Les ogres des glaces? Ce sont les gars qui font les crèmes glacées au Snack Shack, c'est ça? Les ogres des glaces sont des carnivores qui vivent dans ce glacier. Mais oui, bien sûr, c'est tellement évident. Rassure-toi, petit, c'est l'hiver. Ils sont en train d'hiberner, tu sais. Ah, ah, te voilà enfin, toi. Oui, le voyage a été long et périlleux, mais... Regardez toutes les victuailles que Pronto s'est procurées. Hélas, ce voyage a été tellement long et périlleux que Pronto a été forcé de consommer quelques provisions. Et moi, c'est toi que je vais consommer si je ne vais pas me chercher du pop-corn. Oh non, mon ami, tu seras incapable de revenir d'un tel voyage. Seul un topoïde peut s'orienter dans ce dangereux labyrinthe. Jusqu'au Snack Shack. Oh, ah, le film commence. Eh bien, nous y voilà. Juste toi et moi. Et je ne me souviens pas s'il me reste seulement une slug ou bien deux. C'est pas vrai. On tient pas son blaster comme ça. Il oublie la trajectoire. Chut! Tu vas dire à Max Jackson comment on tire? C'est juste la plus grande star du cinéma. Les réalisateurs ont beaucoup de mal à obtenir de lui ce qu'ils veulent. Je parie que tu saurais l'amadouer. Oui, ben j'ai encore du chemin à faire avec mes vidéos pour le Slugnet avant de travailler avec une star. Mais un jour, j'espère, un film que j'aurai réalisé sera projeté sur cet écran. Hé hey, pousse-toi, je ne vois plus rien. Je gare ma méca où j'en ai envie. Et j'ai envie de la garer là où tu es. Hé, hey, taisez-vous, j'essaie de regarder... Il est où là? Shane et sa bande? Eh bien, quelque chose me dit que cette fois, on est dans une impasse. Billy, on est là pour regarder un film, alors ne nous gâche pas la soirée. D'accord, c'est seulement la tienne que je veux gâcher. Veille à bien filmer tout ça, petite. Je veux que tout le monde voit le gang des Oula battre Shane et sa bande. Billy, on ne va pas faire ça ici, on risque de blesser quelqu'un. Le seul blessé, ce sera toi. On dirait que Pronto est en train de louper les meilleurs moments du film. C'est quoi ton problème? Après notre dernière rencontre, on s'est fait renvoyer par le professeur Black à cause de toi. Dis-toi que c'est un service qu'il t'a rendu. Oh. Cord! Ah!
Merci. Tu es fini, Jackson. Tu es fini, Shane. Oui, c'est à toi que je parle. Non ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu vois ces fissures ? On serait coincés sous une montagne de glace si la voûte venait à s'effondrer. Ha ! Oh ! Mange cette slug, Shane ! Stop ! On va continuer ça dehors, Billy. Si ce mur de glace s'écroule, il nous écrasera tous. Je te l'ai dit, je m'arrêterai quand j'aurai gagné. Alors si tu veux te rendre, libre à toi. Stop, t'entends ? Bon, d'accord, je me rends. Ce duel est terminé, t'as gagné. Mais arrête de tirer. Vous avez vu ça ? J'ai gagné ! J'ai battu Shane et sa bande. T'as pas entendu ce qu'Eli a dit ? Bien sûr que si, j'ai entendu. Il a dit : je me rends. Écoute, on va tous finir congelés ici. Ces fissures fragilisent la structure du glacier. On ne craint probablement rien tant qu'on ne... Oui, tu n'as pas besoin de finir ta phrase, Cord. On dirait que l'hibernation est terminée. Alors, qu'est-ce que Pronto a raté ? Pronto ! Oui, c'est vrai, la qualité du son est impressionnante. On ne m'avait pas dit que ce film était en odorama. Et les effets spéciaux sont absolument incroyables, même sans les lunettes. Hé, hey, non, ne tirez pas, on a un autre gros problème, ce glacier n'est pas stable. Tu as raison, on a un énorme problème. Hé, hey, toi. Oui, c'est bien à toi que je parle. Ah, il n'a pas l'air de vraiment apprécier Max Jackson. Philo ! Allez, vas-y. Essaye pour voir. Le film s'est arrêté ? Le film est fini. La sortie est de ce côté. Tout le monde dehors. Allez, allez. Vous êtes le dernier. On ne rembourse pas. Peut-être qu'il tient à se faire rembourser. Allez, venez. Où tu vas comme ça? Tu ne renonces jamais. C'est vous qui avez renoncé, tu te rappelles? C'est d'ailleurs pour ça que je m'offre une petite pause avant de sortir d'ici. Et je prends ça. Hey. C'est la preuve que mon gang est plus fort que Shane et sa bande. Quand je diffuserai ça sur le Slugnet, tout le monde s'en rendra compte. Ellie renonçant à un duel pour protéger des gens? Oh, regarde-le maintenant. Il sauve ce gars pendant que tu restes assis là comme une slug dormeuse. Continue de me filmer comme ça. Je vais te montrer, moi, qui est l'homme. Qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'une slug le touche, il devient encore plus grand. Faisons preuve d'imagination. Bon, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que ce ne sont pas les slugs. Tout ce qu'il met en colère le rend plus grand. Tu trouves que c'est une bonne nouvelle? Dépêchons-nous! Il faut sortir d'ici! C'est du Shane tout craché. Il se sauve quand il faut se battre. Attends, non! Qu'est-ce que tu fais? Il essaie de prouver qu'il est plus fort que toi. C'est vrai qu'il est vraiment doué pour faire grandir ce monstre. Les slugs ne font qu'enrager les ogres. Tu n'arriveras pas à le vaincre sans le douchant ensorcelant d'une slug sirène. Une slug sirène? Où est-ce qu'on en trouve? Oh, il y en a toute une colonie au fin fond de la tanière de l'ogre, dans le glacier. Vas-y, on va tenter de le ralentir. Ça va le ralentir. Allons-y. J'espère que tu filmes tout. Je n'en ai pas raté une seule miette, crois-moi. Je veux que tout le monde voit comment le gang des Oula a vaincu l'ogre pendant que Ellie et Shane se sauvaient comme une poule mouillée. Ah, ça c'est super.
On est enfermés. L'entrée s'est effondrée. C'est à cause de toi. Qu'est-ce que tu me reproches au juste? Y'a que moi ici qui tente d'anéantir cet ordre. Tous aux abris. On va se réfugier au Snack Shack. Il faut trouver cette slug sirène. On n'aura pas le temps de la chercher si on ne consolide pas ce glacier. S'il s'effondre, toute la caverne sera écrasée. Oh, eh bien, raison de plus pour nous échapper. Alors, pronto peut creuser un tunnel, mais il faut que vous m'aidiez. Vous ne pouvez pas vous tenir tranquille deux minutes. Vous me déstabilisez. Non, c'est trop dangereux. T'entends ce que je dis? Ouais, c'est ça. Tu crois que j'obéis aux ordres d'un perdant comme toi? Tu vois... Laissons-les courir. Ils pourront peut-être occuper le monstre pendant un moment. Je vais chercher une slug sirène. Vous, attendez que je revienne. Des champs? Je vais devoir escalader cette falaise de glace. Je trouve ça assez dégoûtant. Oui! Oui! Hé, hey, la fille à la caméra! Regarde par là! Wouhou! T'as vu ça? Stop! T'es en train de le diriger droit sur nous! Ah oui? Eh bien, je n'aurais pas besoin de faire ça si tu venais ici me filmer! On n'arrivera jamais à sortir vivant de cette caverne! Je sais pas pourquoi je me sens aussi... aussi fatigué tout d'un coup. Merci, Burpee. C'est sûrement à cause de ces chants. Les slugs sirènes, allons-y. Hey, salut petit. Bonhomme, tu veux bien me donner un coup de main? Bon, très bien. Je me sens mieux. J'ai l'impression qu'on est arrivé juste à temps pour le petit déjeuner. Essayez de me rattraper maintenant. Hé, hey, tu sais, je le pensais pas vraiment. J'espère que tu as tout filmé. On dirait Max Jackson, pas vrai? Tu veux bien arrêter de grandir? Dommage qu'il ne soit pas acteur. On pourrait le diriger et lui faire faire ce qu'on veut. Ouais, si on avait un réalisateur. Oui, eh bien, on a la chance d'en avoir un. Bravo, c'était du Max Jackson tout craché. Ouais, je sais. Je suis forcée de le reconnaître. Tu es un acteur né, tu es une star. Ce serait dommage de ne pas te filmer. Il y a juste un petit souci. Quel petit souci? Disons que c'est quelque chose d'un peu... gênant. Vous êtes trois à vous battre contre un monstre qui est tout seul.
pas vu pire que méchant? Ah, juste une quinzaine de fois. Je l'ai vu 16 fois. Attention! Comment? Est-ce que le grand Max a déjà eu quelqu'un pour l'aider? Ça m'étonnerait. Max Jackson fait toujours cavalier seul. Exactement. Tes amis ne font que te voler la vedette. Je n'arrive pas à me concentrer sur toi. Dis-leur d'aller creuser le tunnel et de consolider ses fissures. Si tu veux surpasser Max Jackson, c'est maintenant. Oui! C'est moi la vedette, pas eux. Écoutez-moi bien, vous deux. Lunette, va aider Cord à consolider les fissures. Shorty, va creuser avec la taupe. Les acteurs, flatter leur ego, ils feront n'importe quoi. Et action! Hé, gros poilu, tu te crois peut-être malin? Je parie qu'une boule de neige suffit à te faire fondre! Je pensais qu'un ogre des glaces fondrait sous le charme d'une boule de neige. Je suis vraiment un super-héros. Oui, sauf que d'habitude, les super-héros gagnent. Comment je vais faire alors? Attends, j'ai trouvé. Je vais le bombarder de slugs. Non, ça va le rendre encore plus grand. Si tu essayais de ne pas lui tirer dessus. Mais si je ne tire pas, qu'est-ce que je peux faire? J'en sais rien, je vois pas Max Jackson faire ça. Tu rigoles, fais-moi confiance, c'est du cinéma à l'état pur. Incarne le pop-corn, deviens le pop-corn. J'ai une meilleure idée, je vais l'avoir avec une slug bélier. Non! On est perdu. Trixie! On est sauvés! Non! J'avais raison la première fois. On est perdu. Il a la slug sirène. Lance-la! Je peux pas! Je n'en ai qu'une! Compris. Il suffit de pousser notre ogre à rejoindre les autres. Et Ellie pourra tous les atteindre d'un seul coup. Ah ben voyons. Comme ça, Ellie sera le héros. Et qu'est-ce que je deviens, moi? Si tu en profitais pour sortir de cette caverne vivant. Billy, attends! Vite! Dans la cabine de projection! Il nous faut un plan de secours. Je ne peux pas tous les atteindre si la moitié court après Billy. J'ai déjà persuadé Billy de nous aider. Et je peux recommencer. Hé, où est-ce que tu vas? C'est juste un monstre carnassier de 3,5 tonnes. Quand tu veux, Trixie. Hé, gros poilu, tu te crois peut-être malin? Je parie qu'une boule de neige suffit à te faire fondre. T'as vu ça? J'ai gagné! J'ai battu Shane et sa bande! Oh, regardez-moi, c'est moi la véritable star! Pendant que Shane se sauvait comme une poule mouillée! T'as vu ça? J'ai gagné! Joli tir. Max Jackson n'aurait pas fait mieux. Pronto aurait sans doute fait mieux, mais il était occupé à la tâche encore plus importante de sécuriser notre sortie. Ce que j'ai fait. On a aussi consolidé le glacier. Et c'est du costaud. Oui, et ton film a été projeté sur grand écran. Oui,
finalement, on a un vrai réalisateur dans notre équipe. Merci, mais la prochaine fois, je choisirai de meilleurs acteurs. Oui, eh bien moi, je suis épuisé. Et toutes mes slugs aussi. Je suis bien content que ce soit terminé. On n'en a pas fini. Ah, arrête, Billy. Tout est terminé, on a vaincu les ogres. Tu n'as rien fait du tout. C'est moi qui étais à l'écran. Vous avez tous vu ce qui s'est passé. C'est moi qui ai réuni tous les ogres. Donc c'est moi qui vous ai sauvé la mise. Et quand tout le monde aura vu ce que j'ai fait, plus personne ne dira que Shane est plus fort que mon gang. Allez, passe-moi cette caméra, si tu ne veux pas que je te fasse mordre la poussière. Je la donne, Billy. Il manque juste le plan final. Tu sais, pour que ça fasse un carton, le gang des Oula, le pied sur les ogres vaincus. Heureusement qu'un des Shane a oublié d'être bête. Vous, suivez-moi. Et tâche de filmer mon bon profil. Ah, qu'est-ce que je raconte? Le droit est aussi beau que... Chut. Attends. J'ai très... Tu sais, Trixie, ce sera peut-être ton film le plus réussi. Oui, j'ai hâte de le diffuser sur le Slugnet pour que tout le monde le voit. Et c'est dans la boîte.